Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par le Zoom, le week-end de Zoom, hein, 24-25 avril. Et puis pour ne pas terminer, je vous invite simplement à une petite discrimination. En Inde, traditionnellement, on discrimine par la méthode du neti-neti. La plupart d'entre vous savent ce que ça veut dire, mais pour les novices, cela signifie ni ceci ni cela. Nous découvrons qui nous sommes de façon négative. C'est la voie négative. On ne peut pas dire qui l'on est, puisqu'on ne ferait que s'appuyer sur de la mémoire, sur du passé. Ce que l'on est, c'est frais, c'est neuf à chaque instant, et pourtant toujours le même. Mais la mémoire ne peut pas nous dire qui nous sommes. Alors on pratique ce qu'on appelle le neti-neti, et donc on sépare le bon grain de l'ivraie, on sépare les perceptions de cela qui perçoit. Et moi, il y a une façon qui m'a été inspirée par l'enseignement de Nagarjuna, qui est un bouddhiste du 3e siècle, qui est revenu à la non-dualité de façon très radicale. Donc cette méditation que nous allons faire, cette investigation plutôt, hein, que nous allons faire pour reconnaître votre vraie nature, c'est des petites questions que je vais vous poser. Et vous répondrez par vous-même. Je vais vous donner trois propositions. Il y en a une qui est vraiment honnête. Et les deux autres concernent les pôles de dualité. Et la question, la première partie de la question est la plus importante. Je vais vous demander de reconnaître cela pour vous-même, mais sans la mémoire, sans le mental, sans la pensée. Alors, si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que vous êtes un, une femme, deux, un homme, trois, entre parenthèses, sans faire référence à la mémoire, hein, fermez la parenthèse, ou ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce qu'il vous manque quelque chose ou est-ce qu'il ne vous manque rien? Vous êtes complet tel que vous êtes? Ou ni l'un ni l'autre? Entre parenthèses, sans faire référence à la mémoire. Donc, ou ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous une forme et un nom, Nama Rupa, comme on dit en Inde? Est-ce que vous êtes sans forme ou, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre?
Si vous ne faites pas référence à la mémoire, est-ce que vous savez ce qui est bon pour vous? Est-ce que vous ne savez pas ce qui est bon pour vous? Ou ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, y a-t-il des expériences que vous préféreriez ne pas faire? N'y a-t-il aucune expérience que vous préféreriez ne pas faire? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire, êtes-vous éveillé à votre vraie nature, ignorant de votre vraie nature, ou ni l'un ni l'autre? Vous voyez que en anglais et en allemand, light et licht, tous deux veulent dire lumière et léger. Et enlightenment en anglais veut dire à la fois allègement et illumination. Je suis sûr que nombre d'entre vous, vous vous êtes laissé dissoudre dans la troisième proposition. D'ailleurs, les mots ne me viennent plus. Ce silence est tellement plus frappant. Et c'est ça que vous êtes. C'est une pratique très profonde. Parce qu'elle dégage les deux pôles de dualité
J'ai évoqué des choses auxquelles on pourrait être tenté de s'identifier lorsqu'on est sur un, on croit être sur un chemin spirituel. Parce que je n'ai jamais été sur un chemin, sur quoi que ce soit. Le chemin apparaît en jeu. Et au fond, lorsque vous tombez dans l'escarcelle de ni l'un ni l'autre, vous êtes tout de suite au contact de ce que Maître Eckhart appelait le fond sans fond.